Hey, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Baldur's Gate, session numéro 2 pour nous, pour vous, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas nous on a eu le temps de se reposer entre-temps. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Bonjour. Salut. On a évidemment pris un petit peu de temps pour réorganiser notre pensée, nos inventaires et nos PV. Et maintenant, on va les casser du gobelin. Et maintenant on va le Let's péter la gueule du go. gobelin. Alors, par qui on commence? On en a sur le toit. On en a un qui se balade près de la maison où on est. Et on en a une qui est de l'autre côté, Il y en a par trois de là l'autre où on est côté. arrivé. Il y en a une là. Ouais, Il y en a c'est trois en celle-là face. que je Là-haut. pensais justement. Il y en a trois en face. Hein. On en a Trois en trois en face. En face face? est en haut. Ouais, deux sur le toit et un dans la petite cahute. Ok. Je vois pas de quoi tu parles, mais d'accord. Mais t'as Là, les il y en feux. a un en bas. Et deux au-dessus. Ah oui, Voilà. ok, en face est en cet endroit-là. Très bien, je l'ai. Ouais, il y en a un qui se Et balade, je il l'ai. y en a deux sur Moi, le je suis toit, l'autre. chaud, à la limite, je veux bien passer par le toit avec toi, Katox, là. Là où t'es. Ouais, je me Je disais sais que pas combien j'essaierais il y en bien a au-dessus de nous, de. mais. Ce serait bien d'aller de passer Sur... derrière les deux autres en face, discretos. Ceux qui sont sur le toit? Ouais. Alors moi je suis un Ici. Non, j'ai oula, non, non, stand non, de non, 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 voleur. non, 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 non. Oh putain, j'ai cliqué pour aller de l'autre côté, j'ai fait le mauvais clic. Oh mon Calme-toi, dieu. calme-toi. Ça m'a fait si peur. Du coup on passe tous sur le toit et on désingue ceux qui sont en haut. Ah, Ah bah oula. bravo. Ah Allez, bah, let's go. manifestement non. Ah Ouais, visiblement je me suis approché un peu trop près. C'est de ma faute. voilà. À l'attaque. Ouais, Attaquer? Vous c'est voulez des tous qu'on gobelins. attaque? Mais C'est oui, des on va les gobelins. dégro... Ah bah, c'est plus, s'il y a les trolls qui arrivent en même temps, on va avoir l'air marron, mais on espère pas, quoi. Bon, c'était des sous-êtres, ils comprennent pas là. Ils disent des mots, ils comprennent pas. Allez, à l'attaque. On se fait repérer sans deck. Oups. Ah, Ah non, moi je suis encore furtif. Je suis un ninja. Oh. Essaye de passer discretos là. A lancé un rayon empoisonné sur Xulrea. Je pouvais réagir. 13. Elle t'a mis cher, hein. Ah, je suis monté, j'ai pris passé un sale quart d'heure. Hein. Ah, mais il y en a trois de l'autre côté! Ils étaient pas du tout deux! Ah bah, j'ai bien fait de monter avec toi. Je vais tellement l'éclat. Tu tapes le pro. T'as beaucoup de déplacements, toi ou pas? Oh, Non, zut, je l'ai raté. Ok, vas-y, je vais aller en non. face. Je vais plus avoir de déplacement là, mais je peux lui mettre des flèches dans la tronche. Déception sur 20, je voulais le pousser du toit. Enfin, je sais pas, vu que c'est à toi de jouer là, l'initiative, je sais pas si j'ai des déplacements. Ah, il y a des petits gobelins qui se sont bien cachés, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Oh la Mise de patate! merde. Pourquoi t'as 8 PV toi? Parce que je me suis pris une flèche de poison ou je sais pas quoi. Attends, mais Cutting Ward, c'est une réaction, Ouais. c'est même pas un slot? Non, c'est une réaction. Mais ça m'utilise une inspeed Ah, d'accord, bard. ok, c'était ça la question. Bah, ma foi, moi je peux aller sur celui-là si tu veux. Ouais. Bah vas-y, vas-y, je m'occupe de celui qui est à côté. Alors moi je pouvais pas, je sais pas pourquoi, il voulait pas que je saute. Bon, bah, peut-être qu'il va me faire la même. Allez, on va voir. Non, Et non, hop! juste, ça, je sais pas pourquoi, mon action bonus est passée à la poubelle. Let's go! Je crois qu'il va faire une petite Qu'est-ce que opération je vais de... Non mais ce qui est foutre? cool c'est que t'es au cac, du coup il devrait pas me taper quoi. Je vais essayer Bah... de... Un petit trait de feu là sur le gobelin qui est sur le toit. Loupé. Raté! Ouh là là! Oh là là Loupé. Ah mais Katox t'es tout seul versus deux gars quoi. Non, il y a... Il y a la DCA qui est avec lui. T'inquiète, je gère, Ouais. j'ai le sort du feu de Dieu, regarde. J'ai vu surtout Arda sauter là mais... Il s'est mis à jouer de la zippée putain. Il J'adore. fume. Ça me fume à chaque fois. Je voulais pousser le bouillac, Arda, faut mais... faire fin du tour si t'as fini. Je m'éloigne du bord. Très bien, pour pas se faire pucer. Oh, oh t'as raison! Ça se trouve, je peux le pousser par terre. Oh, je vais tellement essayer. Oh oui, oh, mets-toi par là-bas. T'as par Alors, contre... c'est que là, moi, je peux essayer de Il va foutre par tellement le... Par partir en contre, voyage, le mec. Atemir, ton Oh. perso, il a l'air en PLS. Ah non, Ah t'es plus ouais, j'ai empoisonné, mais passé un sale moment, mais c'est pas grave. Regardez-le! Vous êtes prêts? Il va voler! Let's go! Il nous a fait Tout des petits éclairs, mais je crois qu'il a pas su. Il Il est a mort! passé un... Il a passé un bon moment, c'est moi qui vous le dis. C'est génial! Allez, tu dégages toi aussi. Ça m'a Ah, fumé. Hey, j'ai dis gagné une donc! clé.
T'as le moine s'est pété. Tu t'es fait un peu démonter, mais tu t'es bien vengé derrière. Hein. Ah, c'est un sale quart d'heure. T'auras pas oublié la loot, hein. Ouais. Ah, bah ça va, j'aurais dû te déplacer, je te promets, j'ai oublié. Ouais. Par contre, bon, ça m'a utilisé. Eh, hey, ma réaction. C'était rigolo. Je vais faire des murmures dissonantes dans la tête. 65%, il y a une chance que ça passe pas. Je sais pas sur qui tu tires, mais. Bah, c'est passé, hein. C'est passé, ouais. C'est bien. Il a passé, lui aussi. Putain, il en est par. Il en a saigné par les oreilles, quoi. Ça va pousser. Oh. Ça s'est raté. Oh. Danse de barde. Non, mais le pire, c'est qu'il est remonté dans l'initiative. Au cac avec eux, tu te fais jamais, jamais toucher. Ben non, je pense que c'est plus des gars qui sont sur de la dext ou quoi, et du coup ils ont pas trop. Faites gaffe, il y en a un là, le bonhomme, mais il est pas dans le combat, donc ça serait bien qu'il nous voit pas. Il y en a deux encore en combat, t'en as un dans le bâtiment. Non, mais ici là, dans le nord là, je sais pas si vous voyez mon ping là, mais il y a un gars qui se balade qui est pas dans le combat, donc tant qu'à faire. Il est pas dans le combat lui. Il rentre dans le combat si on attaque pas. Bah je pense que s'il nous voit, il rentre dans le combat, tu vois. Pour le coup. Ah bah peut-être, ouais, je vais essayer de l'éviter de toute façon, moi je vais aller vers celui dans le combat là. Qui est dans le bâtiment là? Ouais. Tu penses que c'est possible de prendre un dash en tant qu'action et un dash en tant qu'action bonus? Attends, vas-y, on va voir. Ça, je pense que t'as des trucs qui te permettent de passer le dash en action bonus plutôt qu'en action, mais faire les deux, non, à mon avis, non. Bah après, de toute façon, t'auras Step of the Wind, toi, donc tu pourras traverser toute la map en une seule fois. Bah c'est ça, là j'ai Step of the Wind. Ah oui, alors toi, oui, tu peux traverser le village en un seul tour. Par contre, je sais pas trop comment... T'as l'air d'être en pyjama, t'aurais pas oublié de remettre ton armure par hasard? Y'a rien, c'est bon. Hmm. Tout va bien. C'est important le... C'est où le... Par contre, je sais pas comment je fais pour rentrer dans le bâtiment, là. Ah, c'est la porte qui est là-bas, c'est si loin. Après, tu peux pas sauter Ah bah non, tu viens de sauter. Mais je pense que d'ici, peut-être que tu peux sauter là. Peut-être, je sais pas, on va voir. Bah, de toute façon, dans tous les cas, il faudra que je fasse ça, donc on va voir. On va aller jusque-là, déjà. On va dash. Parce qu'il me reste une action. Est-ce que je peux sauter là? Je peux tout à fait sauter là-haut. Let's go. Le gars qui fait un marathon. J'ai fait un marathon. J'ai même looté son truc. Oui, c'est ce que je sens bien, t'es pas en train de looter le... Hop là, coucou. Voilà. J'ai fait je sais pas combien de pas, mais c'était bien. C'est un bon moment. Le ratage est puissant en eux, comme en nous. Alors c'est quoi ta technique là? T'es allé jusqu'ici et t'as sauté ensuite? Ouais, genre là, sur l'escalier, et après de l'escalier j'ai pu sauter. Ouais, voilà, par contre, ouais, les petites jambes, pas fou. Ouais. Mais bah après c'est l'acrobatique qui aide quoi, ou l'athlétique, je sais pas ce qui te permet de sauter, mais... C'est ta force qui te permet de sauter, alors t'as peut-être moins... Tu dois avoir autant de force que moi, je pense, peut-être. Ah, je suis trop haut. T'es trop haut. Ouais, c'est trop haut, je peux pas sauter. Bah, c'est parce que tu dois avoir moins de force que moi. C'est peut-être pour ça. Ah, puis j'ai plus de vitesse de déplacement, donc c'est touffu. Ouais, c'est ça, moi j'ai 12 de force et toi t'as que 8. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je peux sauter là-haut et toi non. Ouais, c'est pour ça que moi je voulais pas avoir 8 de force. Je voulais avoir comme un petit peu de mobilité. Je sais pas pourquoi j'ai 12 d'ailleurs, qu'est-ce qui me donne autant? Un impel resistance. Par contre, quand vous avez des trucs qui vous arrivent, j'ai des petites pop-up qui se mettent là, c'est Oui, non, c'est parce qu'en fait il faut qu'on clique sur les trucs, mais j'ai oublié. J'étais en train de regarder autre chose. My bad. J'ai deflect missile et ça a marché d'ailleurs. Oh non! J'ai mis ça. Bah, ça va, quoi. Tiens, voilà. Il a passé un mauvais moment lui aussi.
Je l'ai insulté à mort. Bravo à tous. Je l'ai poussé du toit et puis je l'ai insulté. Bon, bah ce serait peut-être le moment de se mettre quelque part et de se faire un long rest. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout le moment de looter. Exactement. Ah, attendez, moi je vais aller chercher celui qui s'appelle. Envoyer dans... que j'ai. Ah ouais. Que j'ai Tej. Shotgun à l'autre bout du monde. Qui est sur l'autre... Ouais, qui est sur l'autre map. Allez, à dans 4 heures. Trouve une clé. J'ai pas trop envie. Je sais pas s'il y a d'autres gens là-dedans. J'espère pas. Vraiment que de la merde. Hein. J'ai ramassé des clés. Ah merde! T'es en combat? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je pensais qu'on l'était. Ah, bah là, ah non, attends, cinématique. Attends, cinématique de quoi? Bah, parce qu'il y a un gobelin qui me parle. Je pensais qu'on les avait butés dans ce moment-là, mais en fait. Ah, mais non, ah, mais non, c'est un pote. Il en restait. C'est un pote, c'est un pote. Il a un. Tu vois, tu peux parler en illicite là en 5. Oui, bah, je peux lui casser la gueule surtout. Oui, mais en fait, tu peux faire en sorte que ce soit ton pote et ensuite tu le tues après, tu vois. Au pire. Au pire. Genre, tu fais bien ce que tu veux, surtout en fait. J'ai récupéré le rayon de miel de la ruche. Attends, vas-y, je vais faire ça parce que j'ai un bonus. Un bonus intelligence moins 1. Un bonus en moins 1, bah loupé du coup. C'est quoi? Dommage. Tu peux relogan, hein. Ouais. Ouais, attends, une inspi pour ça, c'est bon. De toute façon, on va finir par le buter. Ouais. Bah, j'ai utilisé, hein. Ah, bon. Allez! Bien joué. Félicitations. Ah, mais je comprends pas pourquoi ça m'a mis plus 3 en sagesse. Je vois. Bon, tu l'attaques ou tu l'attaques pas? Ah, j'attaque pas, comme ça vous avez le temps d'arriver. Avant que vous soyez déjà tous autour de lui. Pas du tout, je suis en train de looter la maison où on était. Ah bah voilà, et coucou. Il y a un truc. Oh, j'ai... Et alors, oui, alors le calaf que t'as envoyé, je sais pas où. Eh ben je le retrouve pas. Ah si. Attends, ça c'était quel... Pourquoi tu m'as piqué ma clé? Parce que je pensais que la porte s'ouvrait, mais en fait je suis... Non, il y a une zone, on ira après. C'est bon. Moi je suis caché, j'attends. Ah. Oula. Moi aussi, effectivement je suis descendu. Attends, t'es caché où? Avec le mob? Ouais. Ok, j'arrive. Et je casse la gueule. Ouais, j'arrive. Attends. Attendez-nous. Attendez-nous. Oh bah c'est bon, hein. Il a été un peu vaporized. Ah bon. Bah, il a pas fait long feu. Il y a des caisses là où vous êtes. Hein. Ouais. Il y avait eu une pomme. Bravo. Mon dieu. Ah bah, tu vas pouvoir la manger du coup. Il y a un squelette là-bas. Oh là, il y a des mobs. Mais il faut faire gaffe. Oui. Elle est pas trop loin, il y a des mobs là-bas. Pas mon genre. De pas aller trop loin. Well. Well. Bon, par là, la maison là-bas. Revenez qu'on aille se reposer un peu. Attends, j'ai trouvé une table. Non, passe par là, c'est. Va par là, y'a des mobs après. Y'a des gros mobs en plus. Vous savez quoi, y avait quelque chose de super intéressant dedans. Rien. C'était génial. Par contre, ce qu'on peut aller, c'est sur la vieille porte qui est là. Bah, à la limite, on peut rentrer dans le souterrain. Là, où tu m'as piqué la clé. Et est-ce comme ça au moins ouais, se reposer dedans. Okay. À la limite. Faudra penser, il y a un coffre là qu'il faudra ouvrir tout à l'heure. Il y a un levier. Il y a encore un gobelin. There is encore un gobelin. Ah, je trouve des crochets. Village dévasté. Oh, ça pue les pièges moi là-dedans, je dis. Mais non. Bah attendez, que c'est qui t'es tout petit. C'est moi. C'est moi qui ai la meilleure perception. Perception, attends. Et perception. C'est Atémir qui a la meilleure perception. Bah, c'est pas normalement de la sagesse. Non. Si. Bah mais moi j'ai full sagesse moi. Et puis il a master la perception. Perception trop fort. Il a plus 5, toi t'as plus 3. Par contre on n'a pas dit qu'on faisait juste un petit reste avant. Mais non. Vous aviez plus de sorts ou je sais pas quoi, non? Ah si, voilà, moi j'en ai encore, je peux te soigner si je veux. Ouais, il me reste un mais... C'est honnêtement un short rest ça me suffit hein, moi j'ai pas besoin d'un long rest. Hein. Moi j'ai besoin voilà. D'un long rest. Ouais, reste, terminons cette zone et puis on verra. Ok. On peut faire un short rest du coup ou flemme? Flemme. Ok. Bon du coup j'ai plus de ki points, j'ai plus de ki.
Ishav Noki. Allez. Ah bah, loupé, hein. Il y avait un petit piège, j'ai l'impression. Oh, il y a des Thieves Tools par terre, c'est pour moi, ça. Des. Oh. Bien, maintenant que les gros bourrins sont passés devant, moi je vais arriver tranquille et pas me prendre les pièges dans la gueule. Pourquoi c'est trop haut? J'arrive, j'arrive. Il est verrouillé? Oui. J'ai une clé, je crois. J'ai une clé lourde, c'est pas... Bah vas-y, file-moi. Bah, je vais bien monter, d'abord. Ouais, mais non, mais toi, tu es un faible, tu ne peux pas monter. Marqué trop... Qui m'a balancé des sous-vêtements? Tu vas pas monter là-dessus. C'est génial. C'est génial. Ah, sinon, t'as qu'à empiler des caisses pour après sauter. Le coffre est en haut du coup, c'est ça? Ouais, il est ici. Bah je peux sauter, donc tout va bien. Hop. Je vais utiliser les outils. Ah ouais, j'ai récupéré 6 outils de crochetage. Hop. Voilà, tu vois, c'est lui qui m'a pris la clé. Il reste une... Ah bah il s'est ouvert tout seul. Ah oui, parce que c'est moi qui ai la clé. Il y a une arme qui doit... Ça sera sans doute bien pour vous, moi je peux pas la mettre, donc... J'ai fait un jet d'investigation raté. Ah, c'est une épée courte. Tu veux les épées courtes ou pas, Katax? En vrai, toujours, on sait jamais. Ah, attends, je te la prends et je te la file. Tu connais le sort de graisse ou pas, Arda? Bon, tiens, bah, c'est un truc pour toi cette façon, c'est clairement pas pour moi. Tiens, je te l'ai mis sur l'épée. Atouares. Par contre, limite, tu peux récupérer les objets et mettre les inventaires. Sérieux? Ah, si, voilà. Est-ce qu'il y a un. Alors. Vous savez s'il y a un, comment on appelle ça, un raccourci pour les mettre en truc qu'on veut vendre? Ça serait si bien. Je vais aller regarder ça tout de suite. Ah, par contre, si jamais je saute, je me casse la gueule et ça me perd un PV. Bon bah go. Voilà. Attendez, parce que moi là, je peux justement faire la... Katox il s'amuse, il chauffe. Attends, comment ça, un gradient manque en fait. Donc c'est qui notre sage qui a beaucoup de perception là, parce que c'est il quoi a l'air encombré. Je suis pas là. Hache d'arme, ah ouais quand même. Ouais, c'est un problème là. Quoi? C'est quoi ton problème? Je comprends pas parce que... Ah bah super, ça a pété l'arme. Comment ça a pété l'arme? Que je t'ai filé là? Bah ouais, en fait vu qu'ils ont allumé le fourneau, bah ça a déglingué l'arme. Donc l'arme, la lance que je voulais te faire, bah a plus lance. Ah merde! Bah ouais, attends. fallait pas jouer avec le feu, hein. Bravo. Comment les gars, ça allumer, comment ça allumer le four, le truc a cassé l'arme? Bah parce que quand tu l'as planté dedans. J'étais en train de faire le truc pendant que vous activiez le feu. J'ai le manche et la pointe qui ont disparu. Donc je pense que vous avez fait bugger le truc ou vous avez brûlé l'objet, je sais pas, mais en tout cas... J'ai activé le feu avant que t'arrives. Non, mais il y avait quelqu'un qui a appuyé sur le soufflet. Ah, ça c'était Katox. Moi je suis en tout cas, je balance. J'ai été de manière légère. Ah bah, t'as pété l'arbre, je pense. Ouh, vous aventurez pas trop loin et puis cette grotte. Ça sent les créatures de l'ombre. Toi de l'araignée, ça va. Ah non, si, c'est bon, elle est là. Et ouais. Mais moi, je te dis, j'ai plus de sort. Tu l'as retrouvé? Ouais, c'est bon, je te la file. Par attends, contre, c'est quoi? C'est la vision de l'absolu, là? Ouais. Mais c'est moins bien que mon truc. Il y a de la toile d'araignée partout, là. Pas rien. Ah, ouais, mais le mien, il est mieux, en vrai. Bah, elle est stylée, hein, ça, je vais pas cracher dessus, mais... Bah, c'est surtout que si tu les aveugles, les ennemis, je crois que tu gagnes avantage après pouvoir taper dessus. Si je blind target that fail the dexterity. J'adore l'aspect Indiana Jones que ça fait à mon personnage là, juste en dessous de vous. Alors, en vrai, en fonction de ce sur quoi on se bat, je pense que ça sera intéressant que je fasse du switch, mais en fait c'est plus que les... comment ça s'appelle? On fait un long rest là? Ah oui, depuis le temps que je vous le dis. Par contre, tu feras gaffe, t'es encombré hein. Oui, je vais mettre tous mes trucs dans le coffre. C'est surtout que du coup je vais en profiter vu qu'on est là.
Alors, c'est moi qui prépare le repas, si ça vous embête pas. Alors, attends, on va pas préparer le repas tout de suite. Déjà, on va aller parler à Michel, qui veut qu'on lui parle. Prendre le tonneau. Voilà, je t'ai pris le tonneau de poudre. Je t'ai pris le tonneau de poudre, comme ça, t'es plus pourquoi vous voulez parler avec qui, c'est Michel? Je sais pas, il y a un Michel. Moi, je vois un point d'exclamation, je clique. Hein. Ça me stresse. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Ah, mais non, sérieux? Même en étant un PNJ, il va nous casser les rouleaux avec ça? Oh non! Oh non! I'll spare you the finer details, but begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears. And, left for too long, catastrophe. The days since since before we were abducted. C'est vrai qu'il a des ces veines là sur la tête qui sont. Il est bien. Il est un peu marqué. Moi, je pars du principe qu'au pire. Ouais, bah, je sais pas du tout où on va trouver ces conneries à lui, hein. Par contre, elle est lootée à chaque fois les camps parce qu'on récupère des objets, c'est. Tu veux dire les trucs qu'on y envoie? Non. Tout l'environnement, en gros, tu peux looter l'environnement du camp et t'as toujours des objets qui apparaissent. Là, par exemple, j'ai récupéré deux outils de crochetage. Ah! Trust me. Your help could be the difference between life and death. Utilise ta sagesse. Exactement ce que j'allais faire. Allez. Guidance. Oh, ça va. T19. You become one with Gale's mind. You can feel something sinister oppressing you. It's inside of you. A mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further, but your hold over Gale feels. Attends, en distance, c'est pas dégueu, Katox, je vais te filer les flèches enflammées. Delving deeper without him noticing. Quoique même, c'est. Ça a été bien qu'il est le meilleur à distance de nous tous. J'ai rien donc à lancer à distance. Parce qu'il a son. Ah, son dex. Un arc. Oui, mais je ne sursonderai pas. Je peux taper à distance avec tout ce que j'ai. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. It's finished the masterwork weapon. It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. C'est l'arme que t'as faite? Non, c'est juste qu'on a. Ouais, il a déconnecté Inch, quoi. Ouais. J'avais récupéré les plans de High Cliffs. Et c'est un objet de quête, c'est pour ça que j'ai cliqué. Mais un artefact, lequel? Lequel? Casse-toi, moi je te donne rien. Rien du tout, je donne moi. Vous donnez si vous voulez, mais moi mon stuff. Ah ouais, non, par contre, moi j'ai. Ouais, je crois que. Sauf mon épée, franchement, donnez pas mon épée parce que sinon je suis vraiment dans la merde. Non, mais je lui ai dit non. Bon, du coup, vous avez tout looté, c'est bon? Attends. Non, pas du tout les trucs de vin là, je sais pas s'il y a des choses, mais il y a plein de trucs dans les trucs de vin, donc on va tout ramasser. Cette partie là où t'es, je l'ai faite, hein, celle qui est là-bas là. T'es sûr? J'ai pas fait ici. Là, bah tiens, regarde, elle est. Je suis en train de looter plein de trucs dans la zone que t'es supposé avoir fait, alors si tu l'as fait, tu l'as mal fait. Enfin, tu récupères quoi? Là ouais. Ici. Ah oui, il y avait une porte, d'accord, ok, bah je pouvais ouvrir la porte. Il est où Jackie la frite là? Jackie la frite, le PNJ à qui on peut parler là? Il y a beaucoup de PNJ auxquels on peut parler. Ouais, en même temps que j'expliquais ma superbe explication, je comprenais que ça vous servirait pas trop.
Le gars pour respect là. Près de moi. Ok, j'arrête. Ah oui, c'est vrai que tu voulais un petit peu respect. Ouais, ça va aller très vite, j'ai un spell à changer. Donc, je passe. Vous laissez parce que. Je suis trompé. Et. T'es quasi à bouteille de vin. Exactement. Encore, mais j'en ai déjà looté plein. C'est vrai que au bout d'un moment. Tu dois faire ici, hein. Je suis encombré. Est-ce que je peux faire des envoyés au camp? C'est une toupie. T'as trouvé des composants, c'est ça? Ouais. Ah, c'est vrai, si je regardais si je pouvais pas faire un tout petit peu d'alchimie là avec tout ce que vous m'avez envoyé tout à l'heure. Oh bah je pense que. Mais y'a quelqu'un d'ailleurs qui a mis sa poche dans ta poche. Donc c'est méta. c'est méta. J'adore. Oui, t'as une poche d'alchimie dans ta poche d'alchimie. Oh là là, mais quel enfer! Ah, mais c'est moi qui ai dû faire ça du coup, c'est quand je me suis planté ça. En fait. Bah oui, oui, tu t'es bien planté. Oh, ça va, c'est bon. C'est bon, on est sauvé, j'ai trouvé des pommes de terre. Let's go! Des patates. Hop, et voilà, c'est bon. C'était un respect des plus efficaces. Pourquoi il y a une échelle et un machin? On sait pas. Ça me stresse. Hop. Il faut juste que je me vide. Par contre, Katox, ça va les poupeaux de heal? Ouais, ça, je le vis. Tu vas en avoir suffisamment? Je le vis bien, je pense. Le mec, il a choué toutes les potions, il en a 14 sur lui. Bah, j'en ai 11, hein. Ah bah, moi j'en ai 3. J'en ai 11. Ouais. Alors, je peux faire du sel, je peux faire du sublime. Bon, alors là, mec, tu sais que. Voilà, hop. Oh, mais vous allez vous calmer là? Mais arrêtez! Je suis en train de faire de l'alchimie là! Mais grave, j'ai pas envie d'aller au lit, moi je cherche mon coffre. Il est où mon coffre d'ailleurs? Pourquoi il y a que 3 coffres? J'ai pas le droit d'avoir un coffre. C'est ça qui est en train de se passer. T'en as 2. Là j'avoue. Bah. Moi je puge hein! Bah on voulait pas ça te le dire mais. Il manque le coffre vert. Bon, pourtant ça a l'air d'être ok. Bon bah je vais embêter quelqu'un hein. Qui sait qu'il y a de la place encore? Bon Katox, t'as de la place, je vais te filer des trucs hein. Mais non, fous-moi la paix. Si, regarde, tiens, tu, je suis sûr que tu voulais cette grosse bouteille et puis ce gobelet. Et puis tiens, des ciseaux, un fléau. Je vendrai tout ça. Une massue, un javelot, une lance. Attends, j'ai chopé un chapeau ignoble. Ça ressemble ouais, à quoi? Il est bien, hein. Je suis très heureux de te le redonner. Je le vois même pas, attends. Je sais pas si tu peux l'équiper. Si, tu peux l'équiper, mais moi je le vois pas. Ah mais on le voit pas, on est en zone de repos. Pourquoi? Ah si, attends, il faut que tu cliques sur ça là, voilà. Oh il est splendide. Eh, hein? Qu'est-ce que tu ferais sans moi? C'est bien parce que le chapeau de bien-être est mieux, mais... Il va falloir qu'on trouve un marchand un de ces jours parce que j'ai quand même beaucoup de pop... Birdel sur moi, pas se mentir. T'as la bière? Non, mais mon inventaire est un petit peu plein, quoi. On va pas se mentir, c'est assez... Oui, le mien aussi, hein, c'est le bordel. Après, au pire, je peux toujours faire Send to Camp, mais... Ouais, vas-y, je vais faire ça, mais le truc, c'est... Alors, je peux faire une potion de lecture de pensée, c'est pas mal, ça. Potion de guérison importante, qui qu'en veut? De guérison importante? Ouais. Ah bah, moi, je t'avoue, moi, je serais chaud pour que ça soit Weird ou moi, vu qu'on est au CAC, principalement. Bah, moi, j'en ai récupéré chez Katox, hein, vu qu'il fait le crevard, je vais piquer les potions de fin. Et encore, bah après j'en ai je fais le crevard, je te soigne. Et je suis cléric, mec. Toi, t'es bah, juste là pour faire de la figuration, normalement. Bah, pour l'instant, j'ai soigné plus que toi, donc. Ah bah oui, parce que ça aurait été plus utile que le tir. Monsieur, je me la raconte, monsieur, je me la raconte. Ah, bah. Je vous mettrai du soin. Ouais, j'ai débloqué un succès, j'ai créé 3 nouvelles préparations, ouais. Ah, moi c'est plus les potions, les élixirs, je trouve que les élixirs sont plus intéressants que les potions, je vais pas te mentir. Ah, j'ai fait aussi des élixirs. Genre celui là pour le focus qui permet de gagner avantage sur les jets de... Enfin sur les sorts de concentration, c'est pas mal ça. Ouais. J'ai fait un élixir de concentration sans pareil, si ça vous intéresse. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Moi, ça a l'air de... Quelqu'un a parlé à Shadowheart aussi ou pas? Non, il a pas de petit... Ouais, effectivement, je l'ai rien. Elle ne demande pas. Elle ne demande pas ce qu'on lui parle, et bah nous c'est... Oh, je viens de ramasser un petit chop de bière là. Ah, je comprends pas ça. Non, c'est envoyé au camp, c'est pour donc. Coffre. Eh bien, c'est quand vous voulez pour aller se coucher.
C'est moi qui m'en charge. Bien, charge le temps. Oh, un chapeau ignoble, merveilleux. Ajouter à la vente. Ajouter à la vente tout ce qui ne sert à rien. Bien, donc, faut cliquer sur allez vous coucher pour pouvoir faire la bouffe, c'est ça? Mm-hmm. Oui. C'est la préparation du petit repas. Alors. Hop là. Hop là, hop là. Allez. Et voilà. Je vous ai accordé un long repos rien qu'en picolant. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Il y a quand même des gens qui m'ont filé leur merde là parce que je me retrouve encombré. Ah oui, il y a forcément Atémir qui t'a refilé de la daube. Mmh. Ah oui, tu m'as filé tes ciseaux de con. Après, sachant qu'on est pas loin du point de TP, peut-être qu'on pourrait peut-être vider nos sacs et revenir ici. Je sais pas, on est dans une caverne avec des araignées là. Ah oui, c'est vrai, fallait que je vous retrouve. Oui, alors si on peut rien looter dans la caverne. Après... du coup, Atémir, t'es caché où? Derrière toi. Derrière moi, ok. Alors là, je vois un passage avec des toiles d'araignées. Ça, ça pue, ça, on est d'accord. Moi, je vois surtout du rouge par là-bas. Du rouge? Il y a un monstre là-bas. Il est loin, mais je le vois. Eh bah, t'as une bonne vue, hein. Ouais, moi j'ai l'œil. J'ai sur le banc. Qu'est-ce qu'il a foutu encore lui? J'ai cassé la toile d'araignée parce que je sens que c'était de la merde, cette truc. Ouais, bah. Il y a des monstres qui arrivent là. Moi je peux pas. Moi je peux pas. Allez, bah, amuse-toi bien. Ah, j'ai fait une connerie. En gros, j'ai fait une connerie. Ouais, parce que du coup, on peut plus passer. Ouais, et lui. Et moi, il est en face. Si, moi je peux. Il suffit de me mettre sur le recoin là-bas. Après, vous pouvez sauter là où je suis. Je pense. Il faut juste que je bouge. Oui, moi, je tu te mets tout à gauche. Tu te mets tout à gauche et ça passe. Vous voulez pas que je crame encore un peu le sol pour lever l'étoile d'araignée? Bah là ça va pas servir à grand chose. J'ai pas réussi à le tuer mais je lui ai fait bien mal en tout cas. Purée mais c'est dingue ce que tu leur mets dans la tronche franchement. Attends mais c'est vrai je lui ai fait combien là? Bah tu lui as fait 31 P prendre dégâts. Bon après ça coûte cher hein. Je vous avoue c'est pas donné mais... Mais ça fait le taf. Ouais quand même 33 PV. Ouais. Ouais ils ont de la vie hein. Ah, je crois que je me suis fait spoil ce passage. Ah ouais? Ouais. J'ai dû voir un Twitcher ou un YouTuber. Alors on va dire que c'est un peu pour ici que j'ai pris des tonneaux, hein. On va pas se mentir. T'en fais pas, je suis derrière. T'en fais pas, je suis derrière toi. Oh, il lui reste un PV à l'éther carpe. Quoi? Mais il y a des araignées. Ah ouais, ouais, alors on va prendre tarif, hein. Ouais, mais il est assommé de manière permanente. Voilà, ouais, c'est TP! Quoi? Bah oui, c'est les araignées de phase. Excusez-moi, j'ai pas révisé mon bestiaire depuis quelques années quand même. Moi je connais que le bestiaire de la Terre de Forge en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous arrivez à venir? Ouais, vous êtes là, ok, super. Et bah, faut que parce que je vais pas avoir tout de faire le. Ah bah, t'es content d'être dans la. Dans la cobweb là ou pas? Ouais bon. Ah mais tu l'as juste stun le monstre? C'était quoi ton color? Ouais mais il est assommé de manière permanente. C'était pour aveugler un éther cap, mais j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Comment ça se fait? Ça me dit que les cibles sont trop loin pour les sorts. Bah tu l'as lancé sur... tu viens de le lancer sur Mulmir? Ah non, j'avais cliqué sur l'éther cap. Ah oui, mais c'est pour ça. Ouais d'accord, ok, tu viens de me balancer un spell dans la tronche, donc je peux plus...
Je vois rien. Je suis aveuglé. pourtant j'ai cliqué sur les terre caps. Hein. Non mais parce que ça, tu peux plus te déplacer. C'est une zone devant toi en fait. Ah non, mais là je vois que dalle vu que je suis. Ah mais oui putain c'est un truc de 5 mètres, mais c'est de la merde. Oui. Pourquoi ça m'a pas prévenu? Oui en fait t'es coincé sur l'étoile et en fait les couleurs dansantes t'enlèvent 3 mètres de portée. Voilà, let's go. Donc je vois comme à travers une peine. Je peux tirer si je veux. Je suis vraiment désolé. Yes, je me sens super utile. Bon bah allez les mecs, je vous laisse, je vais aller repasser les lacets moi. Pour une fois que le nain pouvait être utile sous terre. Le magot le plus inutile du monde. Les mecs, vous inquiétez pas, j'ai Dark Vision. Putain, je suis aveugle. Je crois qu'on a quasiment tous Dark Vision. qu'on a tous là-dedans. Il y avait des cailloux et tout. Oui. Et évite de tourner le dos à la grosse bestiole. Ah, il a réussi son jet de sauvegarde. Bah, c'est pas grave, hein. Moi, je suis pas trop le tank normalement, mais bon. Du coup, ah oui, mais toi, t'es obligé d'être trop corps à corps, c'est ça? Moi, y'a pas de problème, hein. Je veux bien venir aider, mais. Vu que t'avais poule et que après je me suis tapé la toile, je peux pas avancer. Moi, j'ai pas fait exprès de poule, hein. Alors, si je fais ça, en théorie, je te mets pas dedans. T'es pas dedans. Ce spell. Bah et écoute, maintenant, j'ai pas pris de dommage. Et maintenant, dommage, normalement, ouais. Tu fais juste ça, et si ça passe, il se prend double dégâts. Yes. Ah non, même pas. Ah, je l'ai pas lancé assez loin. Il a pas pris de dégâts là. Mais je l'ai pas lancé assez loin, c'est pour ça. Ah oui, c'est parce que quand il rentre et quand il sort. Ouais, mais du coup, quand il bougera, il sera obligé de. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai coincé des trucs là. C'est pas bon. Ah, damn. Au menu, il faut que tu la rebalances dedans. T'as pas besoin de regarder. T'es l'araignée qui est dans mon dos. Tu la pousses dans le nuage. Dans le nuage de dagues. Oui, alors attends, déjà, peut-être que si je vois quelque chose, ça serait mieux. Hein. Hop là. Bien joué, ça. T'as quand même pris. Ah bah oui, merde. Putain, j'ai pas. Tu peux la taper avant parce que Shove, c'est une action bonus. Oui, non, mais c'est surtout, je voulais te soigner, mais. Par contre, marchez pas dedans. Marchez pas dedans, parce que ça détecte pas les amis des ennemis. Hein. Ah, fallait la pousser. Non, c'est le mort, c'est bon, on s'en fout. Mais le nuage de dague, marchez pas dedans. Ouais, ça fait super mal. Oui, et il n'y a pas de détection amis ennemis, hein. C'est un nuage de dague. Putain, si seulement j'avais un sort pour protéger contre le poison. Ah là là. Si seulement j'avais au moins deux antidotes sur moi. Bah après j'ai un sort contre le poison hein, normalement, mais je l'ai pas mis dans les barres. 55% de phase contre l'araignée là. Ah oui, non mais c'est parce que t'as sauté en fait, c'est pour ça que tu pouvais pas le lancer Weird. Résistance au poison. En fait le saut c'est une action bonus. Et ton sort c'est une action bonus pour me soigner. Non le sort c'est... Ouais. Ah oui. Ouais. Healing Ward c'est une action bonus. Votre guérison. Alors un petit magic missile. Je sauvegarderai ici, je lui ai pas fait très très mal hein. Cloud of Daggers, qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est parce que 4 à 16, bon, on va partir du principe qu'il va crever. Ouais je crois que dès qu'il va sortir, tu sais normalement Ah par contre c'est trop hein. Moi je peux pas sauter là-haut hein. Moi je peux pas y aller hein. Bon, c'est pas grave on va lui tirer dessus. Non mais moi non plus hein, je pourrais pas y aller. Ah je peux faire ça? Non. Je peux faire ça ou pas? Je peux faire ça mais c'est chaud quoi. Ça marche. Et ici, t'es pas sauté. Oh, attention. Il fait un test. Ah, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé là. Moi, j'ai eu l'empoisonnement, donc je suis mort. Et toi? Pourquoi je suis mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en occupe. Pourquoi je suis mouru? Ah bah parce qu'il a fait une... T'avais une attaque d'opportunité. J'ai pas tout compris mais... Attends, je regarde, t'as voulu reculer en sautant.
Non, même pas, j'ai pas bougé. Ah, mais non, c'est parce que c'est pour lancer mon sort, j'ai dû me déplacer parce que je le vois pas. Ok, je l'ai. Ouais, c'est ça. Genre, il a réussi à avoir une attaque d'opportunité avec la distance qu'on a, quoi. Un peu bizarre. Hein. Du coup, lui, en bougeant dans le truc, il s'est fait défoncer par la nuée de dague, normalement, non? Ou l'a tué juste après? Ah, c'est le gars qui... Ok, c'est le gars qui était au corps à corps, en fait, j'ai pas... Vous êtes pas encore dans le poison, en fait, là? Ah bah, si, mais moi, je peux pas jouer, donc... Bon, attends, je vais... 55% seulement ce truc-là, c'est un peu... Je vous avais dit que le long rest il fallait attendre. Bon, après on peut toujours en refaire, c'est pas grave. C'est bon là, normalement. Un combat, un long rest, un combat, un long rest. Ouais, je vais rester là vu que j'ai l'impression que je suis devenu l'infirmière donc. L'infirmière. Ouais, j'arrête, ça fait deux fois que je relève. Bah attends, moi j'ai pas joué. Hein. C'est pas que j'ai pas voulu mais. Comment ça, deux fois que tu me relèves? Quoi, je t'ai déjà relevé. T'as un PV. Ouais, mais. Après peut-être que Arda peut avec son mais c'est parce que c'est parce qu'on est infesté d'araignées en fait. Et tous. Oui. Hein, nous deux. Non, il y a... Ah ouais. Il y a toi et... Ah oui. Tu penses que ça s'enlève avec un antidote? Non, regarde. Le feu et l'acide permettent de s'en débarrasser. Putain, c'est 1 des 4 de poisson plus 1 des 4 perforant quoi. Ah bah je vais me soigner direct. Il reste par tour. Il reste un tour pour toi Katox et 3 pour Atemir. Ouais, parce qu'en fait il me l'a filé en mourant, ça m'a... Quand ouais, tu meurs ça spread en fait. Ouais, je l'ai pas eu. Oui mais c'est... ça spread à tes potes. Ah bah c'est moi j'ai pas ton pote. Je sais pas, Ah non, je crois qu'il faut taper dessus. Regardez-moi ça, où est-ce qu'il a envoyé l'autre? Ah ouais, c'est... Bah, en fait c'est pour ça en fait qu'on va pas te crever. Alors Katox, je pense que je peux te lever maintenant. Et on va attendre deux tours. Bah non, parce que moi si t'attends trop longtemps, je vais mourir en fait. Ouais, il faut... Deux tours? Non bah on va voir, on va déjà te... Parce que s'il rate son jet de dé et qu'il y a deux tours sans rien... Non mais t'as juste à me help et après tu t'écartes en fait. Bah déjà j'ai help Katox et toi je peux te... C'est pour ça que je te soigne à distance, c'est pour pas que... Non mais me soigne pas, ça coûte des spell slots, me soigne pas. C'est pas la peine. Je vais recrever de toute façon avec le fait que je suis infesté. Donc faut... Par contre Arda, t'aurais pas dû te mettre à côté de moi là. Va-t'en parce que sinon ouais, quand je vais mourir, enfin si je remeurs ça va exploser et... En vrai je vais rester à mon endroit parce que j'ai pas envie de me faire contaminer. Bah écoutez, par contre il me reste que une sauvegarde et sinon je suis mouru hein. Donc il va falloir... Je peux te soigner derrière s'il y a besoin. Moi je peux littéralement rien faire. Ah nice, ça fait plaisir ça. Attends putain, je t'ai levé deux fois, tu m'as rien dit, et lui il te lève une fois, c'est... Oh là, c'est bon. Parce que moi je te relève avec des 6 PV. Là... Levé à chaque fois avec 4 au minimum. C'est bon, j'ai pris une potion. Enfin... Et puis t'es un nain, donc bon, c'est pas... Je vais... Ah mais non, je vous en pop out. Je vais aller à un endroit où il n'y a pas d'acide. Il y a des chances pour que l'araignée me défonce au prochain tour. Cette épée méga loin en plus. Ah bah c'est Misty Step c'est 18 mètres donc c'est pas mal hein. Ouais. Bon ouais, au moins vous allez pouvoir la défoncer là. Exactement. Paf. Merci, c'est gentil. Oh là là, attends, moi je vais aller expliquer la vie à lui derrière là. Dégage toi. Ouais, tu dégages. Oh, tu t'es repris infesté. C'est à moi? Oui. Oh là là. Et si jamais vous avez examiné le monstre, c'est les Tarkapins qui vous faites ça et qui vous font... Tellement en train de crever. Mais il faut pas les taper au corps à corps en fait, les Tarkapins. Bah quand tu... Ah ouais, bah, c'est ce que je viens de voir. Voilà, bah, je pense que je suis mort, mais... Je vais balancer une prière voilà. Ah, si quelqu'un peut venir me help, s'il vous plaît, parce que sinon je vais mourir. J'en vous serai... Vous pouvez me rapprocher, s'il vous plaît, que je fasse le sort de soin? C'est stylé ça! C'est quoi? Mais je sais pourquoi j'ai pris trop cher, je suis un neuneu. C'est prière de soin, je peux la balancer. T'as pas ton armure de mage? Bah oui, j'ai pas mis mon armure de mage. Bah voilà. Est-ce que vous voulez pas qu'on mette un petit coup de popo au centre de nous là? Bon, si on peut. On peut faire un short rest. Ah non, mais je peux faire le short rest du barde. Attends. Ah bah, je suis preneur. Hein.
Il y a un de nos persos qui dit c'est mieux que rien. Bah, c'est plutôt bien même, je dirais. C'est mieux que rien. Bah va te faire foutre. Alors attendez. Attendez. Il y a des cocons de toile d'araignée, mais j'ai... potion là. Il y a quand même vachement trop de cocons de toile d'araignée pour que je tu sois à l'aise. Détection des pensées ou pas, Arda? Oui. Non mais j'ai trouvé un parchemin. Détection de pensée. Alors il y a un truc, je vais aller le looter, je vous le dis direct. Hop. Il y a un Jean qui est mort là, enfant gobelin mort. Il est où? Juste là, et je vais communiquer avec lui. Attends, moi j'ai des... Ah oui, non, c'est des cocons d'araignée. Ah, bah non, le cadavre garde le silence. Oh mon dieu, du scénarium. Élixir de résistance au feu, t'as trouvé un élixir dans une toile d'araignée. Ouais. Putain, ouais, mais c'est un level 2, j'ai plus qu'un seul emplacement de level 2, donc... Moi j'ai trouvé une voie de sortie, un saut de puits. Ah, oui, mais ça doit nous amener près des gobelins sur la place... C'est pour ça que j'ai pas cliqué dessus. Moi, il y a des cocons d'araignée là encore, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Donc moi, je les éclate à l'arbalète. Ouais, moi aussi, mais il y a des gants en cuir là. Un gourdin. Quelqu'un a un Mage Hand ou pas? Ouais. Bah, tiens, là, il y a des trucs que je peux pas attraper, donc je t'invite à. Enfin, c'est des gants en cuir, mais je sais pas ce que ça vaut. Il y a un os qui est tombé là. Donc, tu les as vus où les gants en cuir? Au-dessus de là où t'es. À la verticale. Non, ils étaient par terre. Ils sont tombés au bout d'un moment. Okay. Faites gaffe, là, il y a une araignée, là. Ah, ouais, je la vois. Ça loin pas trop trop non plus. Je sais pas où vous êtes. Je suis un peu tout seul, je me sens seul. Moi, je bouge pas, hein. J'ai trouvé un violon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un save? Ah, il a sauvegardé, ok. Il y a quelqu'un... Non, non, c'est une sauvegarde auto, ça veut dire qu'il y a un truc qui va se passer. Ok, moi je me suis rapproché. Ah, Arda, bouge pas, j'arrive. Je suis à côté de toi. Pendant ce temps-là, Weird Mec continue d'explorer. Non, 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 je regarde vers vous. Regarde. Je sais même pas où vous êtes parti. Mais Katox, on est juste de l'autre côté du poteau. Bah oui, mais il y a plein de trucs à loot ici, pourquoi vous vous barrez? Bah, parce qu'on est pas encore allé là-bas. Il y avait des trucs à loot aussi là-bas. Bon, alors je ne casse plus les passages de toile d'araignée. Notre code, dès que tu marches dessus, t'as une chance de te retrouver entoilé, donc t'as un... Après, on peut les brûler. Ici, là, il y a un parchemin, la couronne de folie, ou je sais pas comment ça se dit en français. Pareil, on peut pas l'atteindre, avec peut-être avec un Mage Hand, tu dois pouvoir, mais... Je trouve un autre truc. Mage Hand, c'est un cantrip, non, de toute façon. Ouais. Tu cibles à un endroit par terre. J'ai changé de mon luth en violon. Et après tu peux déplacer ton familier en cliquant dessus. Non. On va par où du coup? Non, il ramasse le scroll là. Il peut pas ramasser peut. Le scroll. C'est vrai? Ouais, il est pas possible à atteindre. Pas dommage. Quelqu'un a exploré la table qui est tout au fond là-bas? Non, justement, je souhaitais y aller. Ah, là, ok, je l'ai. Let me be on my way. T'es censé avoir un familier que tu dois pouvoir invoquer, hein, du coup, je te rappelle. Oui, oui, oui. Bah, je vais le faire d'ailleurs. C'est indéterminé le temps d'invocation. Donc, normalement, c'est jusqu'au prochain. Des petites bottes. Alors. Ils sont très bien dans ce petit contexte. Là dans le coffre Arda, il y a des parchemins que tu dois pouvoir apprendre. Bah envoie-les moi. Moi je suis en plein dialogue là. Dialogue quoi?
Avec quoi? Bah avec mon invocation. Ah bon? On est là. Le mec il parle à ses invoques. Oh, j'ai pas vraiment décidé, hein, c'est arrivé comme ça. Ah d'accord. Oh Michel, moi qui t'ai invoqué, bonjour. Ah mais on arrive sur une zone plutôt large là-bas. Ouais. Ouais, de l'autre côté ça a l'air d'être quelque chose, ouais. Il y a un journal là. Ah, par contre, mon invocation de la petite mimine là, elle a disparu. Oui, ça par contre, ça c'est genre 10-15 tours, quelque chose comme ça. Ah, mais c'est pas grave, c'est censé être gratuit comme ça. Donc, non, je ne peux l'utiliser qu'après un court repos. Oui, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est pas ça te prend pas un spell slot quoi. Ouais, ouais, ouais. Bien, donc vous avez tout fouillé dans le coin, je présume. Ouais. Bon, de toute façon, genre, j'ai plus de place dans mon inventaire, donc je les laisse faire. Et il y avait rien de plus, on peut pas descendre. Non, ok. Bon, bah je vous suis. J'arrive. Alors il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est en bas. Oh, moi je marche plus sur l'étoile d'araignée, ça. Ouais, ça fait rien du tout l'étoile d'araignée. Parle-en à Arda. Oui. Parle-en à moi. Non, non, mais moi j'ai des bottes qui me font que ça me fait rien. Je viens de les looter à l'instant. Aussitôt looté, aussitôt équipé, hein, je vais pas vous mentir. Le mec. Normal. Alors, si jamais. Attends. J'attends. Dans le cas de figure où. Il y a une araignée en contrebas de là où enfin, vous êtes. On fasse ce qu'on veut faire, je vais potentiellement te filer les trucs pour justement... Ah bah t'as plein de place en plus. Oh la grosse bait. Attendez, ici il y a plein de gens. Alors ça serait bien qu'on vienne tous au même endroit, parce que là où je suis il y a une grosse araignée là. Voilà, bah c'est pour ça que j'ai des tonneaux. Donc, elle a 125 PV. Combien? Ouais, 125. Est-ce que vous avez de la vie déjà? Est-ce que vous avez des sorts? Oui. Est-ce que vous avez... Je t'ai filé deux tonneaux. Tu vas, si tu vas en fufu les mettre à côté d'elle, ça peut bien se passer. Mais elle est où? Non, mais c'est de l'arnaque ça. Non, non, je te promets. Par contre, faut que tu te barres parce que quand on mettra le feu au truc, tu vas le sentir passer. Attends, mais c'est surtout qu'elle se rapproche. Ah, mais si tu vas en fufu. Ouais. Non, bah, si tu vas en fufu, ouais, il y a que lui qui peut aller en fufu. Mon familier, il est devenu invisible. Tu peux pas lui donner des objets à ton familier là? Je sais pas. Si tu vas maintenant, tu vois, pendant qu'elle regarde le mur. Tu peux aller mettre deux tonneaux et on met le feu et tu te barres et... Il est mignon, lui. Ça va vraiment, hein. je l'ai fait perso, donc ça marche. C'est toi qui as équipé les bottes pour éviter de te retrouver entoilé, donc maintenant t'assumes. Exactement, c'est toi qui... c'est ton problème. Ouais. T'as les tonneaux. Super. C'est tout. Aussitôt équipé, aussitôt looté, aussitôt équipé, ben maintenant... Aussitôt looté, aussitôt équipé, aussitôt déséquipé, surtout. Aussitôt dans la merde. Alors, attendez. Alors, je sais pas si c'était le bon moment d'y aller. Peut-être qu'on revient. Non, attention. Ouais, faut attendre qu'elle revienne un peu vers nous, quoi. Bah, il faut surtout pas qu'elle le regarde, parce que si jamais elle le repère, là. Pour moi, genre, ça peut être bien, là. Vas-y. Allez, va lui coller au cul, qu'est-ce que tu fais? Il va looter. Ouais, bah vas-y, balade-toi. Si jamais elle s'entend et qu'elle te bouffe la gueule, par contre, là. Alors. Bah, let's go. Je suis en combat, les gars. Enchanté. Ah! Ah bah il s'est barré! Bah faut peut-être qu'on revient vers nous. Bah okay. Oui. Alors je suis en fufu, je suis pas encore en combat, ce que je peux faire c'est me barrer. Il vient d'invoquer 12 000 mobs! Oh fa. Ciao! Juste ciao! Ok. Après peut-être mets des tonneaux quelque part où on est en embuscade, comme ça elle va pas s'y attendre et on fait tout péter. Déjà j'ai un de mes tonneaux qui a disparu déjà, donc je sais pas où il est passé, mais il est plus dans mon inventaire. Hein? Ah si, il est là, ok. Après si elle... Ouais non tu peux pas me les filer, t'es en combat donc.
J'ai mis des tonneaux par terre. Eh ben, il faudrait qu'on arrive à essayer de la, l'embusquer là-bas, comme ça. Ah, mais c'est des toutes petites qu'elle a invoquées, ok. Bon, ça va déjà. Bah, attends. Oui, non, moi je peux pas le déposer, mais il y a peut-être moyen que je descende et que je dépose les trucs juste à côté. Ah oui, non. Ok. Alors, c'est pas sur celle-là qu'on devrait s'acharner, mais on peut. Ok. Voilà les petits là. Ah ouais. Ok. Ok. Tu vas prendre tellement cher. Est-ce que tu peux t'éloigner ou... Ouais, je vais disengage. Vas-y, disengage et moi je vais les cramer. Je vais disengage. Du coup, je vais pas disengage. Je vais pas disengage. Hein. Oh la patate. Alors, est-ce que Arda, tu peux t'occuper de foutre le feu et moi je. Ah ben voilà. Tu mets le feu, Arda, et moi je. Mais non, si tu fais le feu, ça va tuer Atemir. Ah, je le soigne, et dès qu'il s'est barré, tu le... Ok, bon, c'est la merde. J'ai pas eu le temps, je suis désolé. Le typiquet. Je comprends pourquoi il y avait une sauvegarde automatique un peu avant de rentrer dans cette zone. Ah, je peux faire ça, moi. C'est peut-être un peu overkill pour une toute petite araignée comme ça, non? Ouais, mais c'est un... Ta mère avait tous ses œufs en plus. Alors, c'est-à-dire que le plan s'est pas passé du tout comme ça chez moi. Je pourrais tenter de faire une zone de dague, mais le problème c'est quand même ce TP, même ma zone de dague elle sert à rien quoi. Et je pense surtout que la zone de dague elle va défoncer la toile d'araignée donc elles vont tomber. Oui, ça peut être une solution aussi, mais ça isole. Je sais pas si tu peux l'huile de la bête. Elle est résistante au poison, elle a 16 de CA la bestiole. Alors, je peux essayer de l'effrayer. Là, peut-être là, la grosse, faut pas s'occuper de la grosse pour le moment, mais plutôt des ZAD. Bon, j'en ai effrayé une. Du coup, vous vouliez pas me sauver, quoi. Ah, moi, je peux, mais okay. Le turn order. Ah, bah, jamais j'arrive à jouer. Hein. À mon avis, si tu j'arrive fais... à jouer. Est-ce que tu penses que tu peux sauter jusqu'à nous? Effrayé dans mon dos. Sauter, hein, je sais pas, peut-être, on va voir. Si mais bon, tout cas, c'est plus. Il faut pas que je sois mort en fait d'ici là, c'est plus ça le problème. Vas-y, je vais te claquer un sort de soin. Attends, what, je peux pas te... Bah tu fais peut-être trop loin hein. Ouais, t'es trop loin. Et si tu bouges, tu vas te faire taper dessus donc... Oui, non, bah attends, après... Ouais mais t'as... Ouais. C'est, bah oui, c'est t'as 4 personnes qui te tapent hein. Ah bah, elles ont cramé leur réaction. Ouais mais le saut encore une fois, bah ouais, le saut encore une fois, niqué. Non mais je peux pas utiliser, ah non la potion c'est pareil, je peux pas la, si je peux l'acheter. Bah tu peux la lancer sur ma tronche ouais. Ah et l'autre là-bas elle est trop loin. Oh let's go, ça fait plaisir, merci. Qu'est-ce que je pourrais faire, il y en a une à 12 PV là. T'as pas un gros truc pour choper les 4 petites? T'as pas une AOE? Ouais pour défoncer les 4 petites. Ah, magique missile ou à ice knife, hein. Glace là, ça peut. Oh, damn. Ouais, je les ai pas finis, hein. 6 PV. Alors que normalement, magic missile ça fait 6 à 15 de dégâts. Hein. Et... non, c'est 6 à 15 parce que t'as 3 trucs. 4, j'en ai 4. Oui, mais c'est en tout 6 à 15, c'est pas ouais, bah, le oui. Missile. Alors moi, je vais m'éloigner un peu. Oui, je pense que là, si tu restes là, c'est toi qui vas tanker. Ah, ça, c'est une action, c'est un peu dommage déjà. Hein. Pas se mentir. Oh, mais ces esquives! Bon. Ah ouais! Oh, elle est pas venue vers moi! Allez!
Critical Miss, bien joué ça. Bon, donc. La Critical Miss, parlons-en Arda. Moi j'ai pris l'arrive. Donc, pourquoi plus, j'ai pas empoisonné. L'action déjà? Ça c'est fou, pourquoi j'ai pas l'action? T'as été ressuscité ce tour-ci. Et du coup j'ai pas l'action. Je pense pas. Tu peux battre, te soigner. Bah c'est super. Comment? Je peux peut-être quoi? Tu peux te soigner non? Oui. Je peux faire ça. Je peux faire ça, il manque combien? Il manque 7 PV. On va prendre ça, c'est pas mal. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Dans l'idée, il faudrait venir là. Comme ça. Ah là là. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, ton petit pote, là? Il est invisible. Il essaye de venir pour effrayer la grosse bébête. Il me fume. Il me fume, le petit, là. Oh, comme ils font des Misty Step. Oh là là. Comme ils font des Misty Step, on n'a pas d'action. Ah ouais, non, c'est horrible, hein. T'as rien, hein. Même moi, quand ils se barraient de la nuée de Dag, ça leur faisait rien. Ils faisaient des Misty Step. Des BZ, comme on dit. Passe un bon moment. Sérieux, il a effrayé la grosse araignée? Ouais. Ouais. Ah, putain de brouillard. Alors. Ah, c'est bien, il peut plus bouger. C'est bon ça. Ouais, par pendant deux tours. Balancer, il pourra toujours balancer des gros sorts d'enculé. Hein. Alors, oui, mais il peut plus bouger. Pas si mal déjà. Ouais. Ah, c'est gentil ça, merci. Ah. Oh. Ah bah là, une petite fireball, hein. Ouais. En vrai, ouais, tu l'as lui, hein, ça sera fait, hein. Mais comme ça, en fait, je peux pas. Je ne peux rien faire. Ah, allez, t'as un truc. Let's go. Non. Ouais, super. Par contre, j'ai une petite huile de pyromane que je peux balancer. Non, je ne peux pas, visiblement. T'aurais dû prendre une boule de feu pour cet affrontement, quoi. Mais oui, mais je pouvais pas. Là, j'ai pas réussi à la finir, là, sérieux. Bon, visiblement, je ne pouvais rien faire. Magnifique. En vrai, ça va, ils font pas très mal, les petits. Hein. Ouais, bah, t'as vu comment ils sont. Ah oui, ça, j'ai vu qu'ils étaient 10 milliards, mais. Et encore, elle a pas fait hatch tous ses œufs, parce qu'il est encore devant vous, c'est encore. Bah, en vrai, faudrait tuer. Je sais pas, à ton avis, t'es dans la portée ou pas? Weird. Là, il y a des chances que, ouais, si on fasse péter, je m'en prenne plein la gueule. C'est vrai? Il y a des chances. Parce qu'en vrai, je peux le faire péter. Bah, vas-y, hein, essaye. Hein. De toute façon, là, je pense que c'est un peu mal barré pour qu'on s'en sorte vivant. Bah, écoute, on va voir. C'est moi ou ton. Élevé. Attends, minute. C'est moi ou son invocation a dit vous venez vous faire fister. Alors, moi, ce que je viens de remarquer, c'est que ça n'avait rien fait. Je suis un peu ouvre le journal de combat et regarde ce que Pell a dit. Pourquoi ça a pas voulu le faire? Oh là là. C'est génial. Ouais, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Parfait. Ouais, sur les tonneaux, il faut que tu balances du feu parce que sinon ça les fait juste. Ça les casse juste, ça les fait pas exploser. Super. Apparemment, c'était super. Je suis content d'avoir fait ça du coup. Bah écoute, maintenant il y a de la. T'as rien, t'as pas une potion, t'as pas un feu Grégoire, t'as pas. Ah non. Ah si, si, moi j'ai une potion de feu là. J'ai une potion de graisse, mais. Moi j'ai une flèche de feu. Mais... Ah non, moi j'ai un truc de feu, donc je vais un peu me cramer l'épaule de. Oui. De barbe, mais. Bon écoute. On va prendre ça déjà, voilà, tu dégages. Voilà, on va se faire les choses une à une là. Toi. Tu dégages. Voilà.
Déjà, tu vas prendre un peu cher là. Oh mais ça va bien, oui. Ah mais c'est vrai qu'ils font ça. Ah oh, mais il s'est rapproché de, du fait qu'il allait crever, ça c'est très bien. C'est parfait, moi je... Mjolnir. Ah oh, non, il est parti, non. Mjolnir se sacrifie, il a un PV. Ah oui, non mais là moi je... C'est l'heure de mourir. 3, 2, 1, adieu. Et le pont va fumer en plus. Ça fume. Oh, let's go. Ouais, mais n'empêche, ça a été efficace, hein. Ah oui, ah, oui. Ah, mais je dis pas, je dis pas. Hein. Je pense qu'on peut la recommencer, celle-là. Ah, putain. Ah, en gros. Non, mais au pire, on reprend. Alors, si on la recommence, moi, je pense qu'on s'occupe de clean tous les petits œufs, comme ça, au moins. On clean les œufs et en plus, on met les tonneaux. Faisons ça. Allez. Parce que c'est vrai que ma stratégie, quand j'avais pensé, ça avait été de mettre des tonneaux, il n'y avait pas eu le pop des petits ads, donc... Quoi, je lance. Bah oui, 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 bah oui. Je lance, tu veux qu'on fasse là. Je suis parfait. Seul encore debout. Ça clôturera donc cet épisode numéro 6 sur... sur un fail sur un fail monumental. Strata, il y a une strata, vous en faites pas les gens. Allez, on vous fait des bisous. Bisous. A plus.